Chers voyageurs, bienvenue dans cette nouvelle aventure. Je vais t'emmener découvrir le type de paysage que j'adore particulièrement en voyage et je vais te montrer ça tout de suite. Le début de mon séjour se situe ici, à la station des Deux Alpes. C'est vraiment la première fois en fait pour moi que je viens dans les Alpes et j'ai vraiment super hâte parce que je t'ai pas tout dit mais je vais vaincre mes peurs. Et vas-y, regarde-moi ça. Allez viens, je t'emmène découvrir vraiment un angle de vue parfait. Regarde ce paysage. Chers voyageurs, pour cette nouvelle journée, il faut absolument tester le ski. Et oui, après le parapente, il faut continuer d'affronter toutes ces peurs. Et oui, en plein été, on peut skier à 3200 mètres. Bon, c'est la première fois que je vais skier. Je suis ici à 3400 mètres, juste là-haut. Tu as le sommet à 3600 mètres et regarde à quel point la vue est magnifique. Expérience en ski, c'était vraiment génial. Bon, comme hier, je stressais, mais faire une initiation en ski à 3400 mètres d'altitude, y a pas mieux. Et je l'ai fait, pour la première fois du rafting. Regarde la couleur de cette eau. Allez viens, je t'emmène voir encore un point de vue bien sympa dont je ne me lasse pas ici. Bien,
Tu sais que j'adore voir des choses dans la roche, si t'as vu les précédents vlogs. Regarde, j'ai l'impression de voir un morse. Et après avoir fait du rafting, il faut faire absolument du VTT en montagne et je t'emmène voir ça tout de suite. Le VTT en montagne, c'était vraiment une expérience extraordinaire, j'ai adoré. C'est l'activité que je préférais sur ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais c'est pas l'activité qui m'effraie le plus. Celle-là, elle va suivre juste après. Je t'invite à la suivre. Là, je pense que je vais vraiment flipper. Je suis maintenant arrivé à Mont-Genèvre et je vais tester le pont tibétain et, ce qui m'effraie le plus aussi, la vie à faire. C'est vraiment hyper flippant, je n'en reviens pas que je fais un truc pareil. Et maintenant, Via Ferrata, au secours! Voilà, après 2 heures avec
un pont tibétain de 400 mètres qui est le plus long du monde. Puis la Via Ferrata pendant une heure où je n'ai jamais autant stressé de ma vie. Et le dernier pont tibétain qui est derrière moi, je suis enfin arrivé. 2 heures pour faire le tout, mais je dois t'avouer que je pense que je ne ferai plus jamais de Via Ferrata. Tu sais bien à quel point je déteste l'eau, et donc qu'est-ce que je fais? Une nouvelle fois du rafting. Et cette fois-ci, ça va pas durer juste 20-25 minutes. Non, il y en a pour 1h30. Je vais essayer de pas me noyer. Et voilà, cette seconde expérience en rafting est terminée et cette fois-ci je n'ai pas flippé, c'était même un peu plus sportif, mais j'ai vraiment adoré. Et la nouvelle activité à faire ici à Montgenièvre, c'est du vélo électrique. À te renseigner parce que ça a vraiment une histoire intéressante. C'était à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, les Italiens étaient en guerre contre les Français et tiraient sur la France. Et tu peux voir juste là les tirs que les Italiens faisaient vers la France. Ils canardaient un petit peu partout. Et le fort du Chaberton est considéré comme le fort le plus haut du monde. Allez, et avant de rentrer en Belgique, il me reste une petite dernière activité à tester. Ça va être un parcours dans les arbres et en plus de la tyrolienne.
Chers voyageurs, c'est ici que mon aventure dans la station des Deux Alpes et à Montgenèvre se termine. Ça a passé vraiment vite, c'était 4 jours intensifs d'activité. Moi qui ne suis pas sportif, je ne sens plus mes bras, plus mes jambes, mais c'était vraiment génial. J'ai pu vraiment tenter, c'était la première expérience en fait pour tout. J'ai pu tenter 2 fois du rafting, j'ai pu apprendre à skier un petit cours quoi, d'initiation avec un moniteur, un parcours d'aquabranche, j'ai eu du VTT en montagne ainsi que du vélo électrique aussi en montagne. D'ailleurs c'est vraiment ce que j'ai préféré, j'ai adoré les moments où ça descendait parce que c'était juste génial. Je faisais exprès de prendre des cailloux pour que ça bouge à fond. Sans oublier ce moment en parapente, c'était un peu stressant au début mais après voilà avec les courants d'air c'était vraiment excellent. Et un peu moins sur la descente, mais ça donnait une superbe vue vraiment sur la vallée. Ah oui, évidemment, il y a eu le pont tibétain et la Via Ferrata. C'est ce qui m'a le plus stressé sur toutes les activités. C'était vraiment très très impressionnant. Et voilà, en fait, c'était vraiment une belle expérience. Et si tu as l'occasion, je t'invite vraiment à venir dans les Alpes l'été. Il y a vraiment pas mal de stations où tu peux faire plusieurs activités. Et d'ailleurs, tu peux aller pratiquer, faire du ski en été à la station des Deux Alpes. Et c'est un des rares endroits où il est possible d'en faire en Europe. Voilà, bon maintenant, il me reste à rentrer en Belgique. Je te dis à bientôt, et surtout, n'oublie pas de t'abonner à mes réseaux. À bientôt pour de prochaines aventures.